Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur SimCity et sur notre ville, comme vous le saviez, où on avait pour l'instant un petit problème de revenus hein, mensuels. Donc pour l'instant on a un souci avec, avec ça, hein, c'est que on n'a pas de bénéfices. On voit que l'éducation nous coûte excessivement cher. Et c'est vrai que je dois dire que pendant donc ces quelques semaines où vous avez eu les quatre premiers épisodes qui ont été distillés sur la chaîne au rythme d'un épisode par semaine, moi j'ai pu voir aussi des choses, me remettre un petit peu dans le bain de SimCity, et puis aussi observer que j'avais pas forcément optimisé l'implantation de ma ville. J'ai vu les petites erreurs que j'ai commises et que je ne reproduirais pas si d'avenir on devait refaire une ville. Et donc, en tout cas, tout ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'il va falloir équilibrer le budget et faire en sorte que nos habitants viennent chez nous. Et surtout qu'on gagne des sous, hein, parce que pour l'instant, le budget est pourtant. Ça a l'air d'aller. Le quartier n'est pas très sain. Voilà, il parle de problèmes de santé. Alors pourtant, on a une clinique hein, qui visiblement fait suffisamment ce qu'il faut pour arriver à gérer la quantité d'habitants qui sont malades. Alors, il y a des petites astuces hein, que je me suis rappelé et puis aussi que j'ai trouvé en regardant des tutos sur SimCity, c'est que effectivement il n'est pas nécessaire de surcharger sa ville en caserne de pompiers ou en commissariat de police ou en hôpitaux. Il suffit d'en avoir un, de le faire évoluer chacun d'eux. Et ensuite, si vous avez suffisamment de camions disponibles pour desservir la population, théoriquement, ça devrait bien se passer. Alors, voyons voir. Là, en l'occurrence, donc on a un seul camion de pompier. Et ça nous coûte déjà pas mal cher. Si on voulait d'aventure ajouter un camion, ça nous coûterait encore 200 par heure. Disons que pour l'instant, c'est pas ce qu'on recherche le plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment des soucis de santé et il va falloir les régler. Donc ça y est, le budget est passé en positif. À mon avis, c'est parce qu'on avait des bâtiments qui étaient en train d'évoluer. Et du coup, le fait qu'ils soient en train d'évoluer, on perd des revenus, hein, tout simplement. Donc là, on a augmenté le nombre de camions disponibles, enfin d'ambulances disponibles hein, pour essayer de rayonner un maximum dans la ville. Donc on voit les services de santé. Hein. Alors les services de santé d'ailleurs avec j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de mortalité. Un Sims malade. Là il y a des malades aussi. Bon la gare routière, on voit les zones industrielles qui sont vraiment des zones pas saines du tout. Ah, appartement, on a quelque chose qui se passe pas bien ici. Il y a une autre clinique là qui sert à rien. Qu'on va tomber d'ailleurs parce que ça sert à rien qu'on fasse l'inverse de ce qu'on avait dit. Ce que j'étais en train de dire, c'était que voilà, l'implantation de ma ville n'est pas du tout adaptée. Hein. J'ai vraiment fait une ville qui va avoir du mal à se développer. Bon, néanmoins, on a quand même des bâtiments qui ont pris leur taille maximale. En termes de superficie, j'entends, hein, pas en termes d'évolution. Et comme je disais, donc j'ai fait une bonne partie sur une nouvelle ville. Et comme entre-temps, j'ai acquis l'extension Ville de Demain. Où je l'avais déjà quand j'ai commencé à tourner les épisodes, je me rappelle plus, enfin c'est pas très grave. Donc j'ai pu au moins expérimenter cet aspect hein, des villes de demain avec les nouveaux bâtiments, l'académie particulièrement, ce qu'elle permet de faire.
Et donc l'académie en fait attire du monde hein, pour travailler. Donc c'est ce qui va faire aussi que la population va être amenée à augmenter. Et en fait, eh bien, on va pouvoir débloquer des technologies avec l'académie. Donc c'est très très intéressant. Par contre, il va falloir qu'on prévoie. Donc l'académie, bien sûr, pour fonctionner, a besoin d'énergie qu'on appelle le. Alors attendez, je vais vous dire ce que c'est, comment ça s'appelle. Voilà, le contrôle net. Voilà, j'avais oublié le nom. Et donc, pour que on puisse avoir suffisamment de contrôle net pour pouvoir faire fonctionner bah, notre académie et puis les bâtiments qui vont évoluer dans le même sens que le reste, il nous faudra des usines à contrôle net, hein, tout simplement. Vous voyez que chaque bâtiment qui est de type. Qui est de type ville de demain, hein, qui fait partie du paquet de la donne ville de demain, nécessite pour fonctionner des contrôles nets. Et donc ici, bon, ben, celle-ci consomme des contrôles nets et il lui en faut et elle en a suffisamment pour fonctionner. Donc c'est donc là, c'est l'assainisseur d'eau usée. Ce qui nous permet en fait de retraiter les eaux usées et d'en faire de l'eau pour nos habitants. Alors, bien évidemment, autre astuce, hein, quand on commence à implanter sa ville, on vérifie, pas comme je l'ai fait quand j'ai fait cette ville-là, on vérifie où se trouvent les ressources, bien évidemment. Donc là, bien évidemment, j'avais la source de charbon qui est bien placée. Le minerai, bon, bah, on voit qu'il y a une belle source de minerai là-bas en plein sur mon avenue, donc ben, ça c'est foutu. J'exploite une autre mine de minerai ici, ce qui est plutôt bien. Le pétrole, il y en a ici. Et bah, visiblement j'ai des usines donc j'ai avoir du mal à l'exploiter, sachant qu'en plus j'ai mis une centrale à pétrole qui va forcément me consommer du pétrole bien évidemment, mais si j'ai rien pour l'extraire, ça veut dire que je suis obligé de l'acheter à mes voisins. Donc des choses à penser avant de construire sa ville bien évidemment. Alors comme ça fait un petit moment que j'ai pas retouché à cette ville, je sais plus du tout. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends? On va regarder ici. Donc actuellement, j'exporte du pétrole. J'exporte du charbon et j'exporte du minerai. Ouais. Mais si j'exporte du pétrole et tout ça, où est-ce que. Comment ça se fait que. Il y a un truc que je pige pas bien. J'exporte du pétrole, j'ai une centrale qui en consomme. Et j'ai pas de puits. Ah si, j'en ai un là, pardon, j'avais dit. Il va falloir quand même penser à ce que. Vu que c'est notre seule source d'énergie pour la ville. J'aurais tendance à penser que il va falloir envisager de garder un peu le pétrole hein, parce que là dans mes stocks ouais, je pense que le pétrole, même si c'est une source de revenus qui est pas négligeable, hein, il faudrait peut-être que je le garde pour moi. Le charbon, je peux l'exporter, c'est pas tellement un problème. Et le minerai aussi, pour l'instant, quoique je serais assez tenté de le garder aussi. Parce que vous verrez, il y a une autre source de revenus qui est vachement intéressante, c'est les usines Omegaco. Les usines Omegaco, qui fait partie donc de la donne des villes de demain, rapportent énormément. D'ailleurs, vu l'argent qu'on a, on va voir si on n'a pas moyen de s'en faire péter une. Voilà celle-ci. Donc ça fait 30 000. On va essayer de la coller. Ça serait chouette de la mettre là sur une usine. Sur un site. Voilà, parce que de toute façon, il faut dire que là, pour le coup, ça va nous apporter énormément d'argent. Donc il va pas falloir se priver. Vu les revenus qu'on va engendrer avec ça, faut vraiment pas se priver.
avec une petite extension. Voilà, je prévois déjà large. Et on va mettre en vitesse accélérée le temps que l'usine elle ouvre. Et donc normalement, dans un joli panache de fumée violette, elle va commencer à produire des marchandises. Donc là, pour l'instant, ça crie parce qu'il n'y a pas matériel, il n'y a pas matière à travailler. Mais elle va être livrée, donc ça va tout de suite aller mieux. On voit les camions qui sont en train déjà de livrer les marchandises. Il serait peut-être intéressant aussi de rajouter des camions de livraison parce que il faut que les usines elles envoient du pâté. Donc on va vérifier là qu'ici tout se passe bien. Voilà, on voit donc les caisses de matériel au Meyako qui sont livrées aux usines aux alentours. Et en fait, ça va permettre de faire des usines modernes. Et donc des usines modernes, dit usines modernes, dit usines plus propres. Alors normalement, une fois que l'usine Omeyako va vraiment commencer à produire et à rouler à plein régime, on va vraiment commencer à avoir... voilà, on va avoir un excédent de revenus, voilà, regardez ici. L'usine Omeyako qui commence déjà à fournir des matériaux et voilà, ça fait qu'augmenter, hein. C'est juste insane quand ça commence à produire. Par contre, bah, il faut vraiment veiller à ce que vous ayez du minerai et du pétrole parce que bah, au moment où il vous manquera une ressource ou l'autre ou les deux, bah, le problème c'est que vous allez vous retrouver dans une situation compliquée parce que si vous êtes avec des obligations plus une situation avec les impôts qui est compliquée, vous allez vous retrouver avec d'un seul coup le budget qui va passer en négatif, mais sévèrement, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai du mal à tenir ma ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Un problème de flotte, problème d'eau, il nous faut du pétrole. Ouais, bah, normalement, il devrait être livré. Alors, on a le siège d'Omeyako qui a été débloqué, il va falloir qu'on le construise. Ça m'aurait intéressé de le faire. Ça aurait été bien de le faire par là. On peut le faire ici aussi. Hein. Faire une route. Alors j'ai un problème de flotte. C'est quoi là ? J'ai une légère pollution de l'eau. Et effectivement, j'ai aussi. Petite pénurie d'eau, mais c'est normal, hein. Les nappes sont en train de s'assécher petit à petit, donc forcément. Voilà, faut se méfier parce que ça c'est un coup à se retrouver avec de l'eau polluée. Tac. Alors on pourrait faire une station de pompage. Ce qui est assez... ce qui est assez rentable. Mais bon, avec les jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu vraiment de problème, hein, avec les petits tanks comme ça, ça se passait très bien. Bon, au niveau de la pollution de l'eau, normalement, ça devrait avec la station d'épuration, avec celle-ci en plus qui est en processus d'embauche, ça devrait se régler. Donc on voit un budget qui a explosé littéralement grâce à ces petites usines. Et ensuite on verra un autre aspect de ce nouvel add-on, c'est les mégatours. Et les mégatours, c'est aussi une espèce de gros une grosse source de revenus. Le seul inconvénient, c'est que faut qu'elles soient rentables. Donc elles peuvent vous rapporter beaucoup, mais elles peuvent aussi vous coûter beaucoup. Si elles sont pas bien équilibrées, si elles sont pas utilisées de la bonne manière. Alors, on a un problème d'éducation, pénurie d'employés, donc en fait il manque de main-d'œuvre, hein, tout simplement. C'est parce que il n'y a pas assez d'habitants, il y a de la demande, il va falloir que je construise des zones résidentielles clairement pour arriver à faire venir du monde.
On a réglé un problème d'incendie. Alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va rajouter des camions pour la caserne. Comme ça, ça va pouvoir couvrir l'ensemble de notre ville. Et donc, alors là, bon, après, on va bien évidemment, on va avoir des habitations qui vont avoir du mal à évoluer parce que ben, près de raffinerie ou de puits de pétrole comme ça, c'est pas forcément l'endroit le meilleur pour l'implantation d'immeubles. Non, mais c'est vrai que cette ville, j'ai vraiment fait une implantation foireuse. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais, toujours des problèmes de pollution d'eau. Ben voilà, on parlait des contrôles nets, et du coup, du fait d'avoir fait l'usine au Megaco, ça m'a cramé les contrôles nets que j'avais besoin. Et j'ai des problèmes d'approvisionnement de pétrole, c'est marrant ça, parce que pourtant ils en extraient. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas assez de camions de transport? Et que du coup... La marchandise n'arrive pas à être acheminée vers mon usine. Parce que si je dis pas de bêtises, j'ai la redwall et j'utilise localement le minerai aussi. Donc théoriquement, ça devrait s'arranger. Ah oui, je devais faire le siège de l'usine au Miyako. Je me suis dispersé une fois de plus. Hein. J'ai encore des problèmes d'eau usée, c'est vraiment... Alors pourquoi j'ai des problèmes d'eau usée? Parce que j'ai pas de contrôle net et j'ai des problèmes d'eau. L'eau est polluée. Donc ça, c'est cette pompe là qui a de l'eau dégueulasse. Il faut la faire péter. On a des bâtiments aussi qui ont été abandonnés. Population hésite à venir, ça monte doucement, hein, mais pas suffisamment vite visiblement. Alors vous savez aussi hein, que pour que les bâtiments évoluent, ça dépend aussi du type de route que vous mettez autour de vos aires de construction, c'est-à-dire que si vous mettez des routes à densité élevée, vous allez avoir des bâtiments qui vont monter jusqu'à un niveau maximum, donc type gratte-ciel, etc. Tandis que si vous mettez une simple route, vos bâtiments n'évolueront que peu. On passera de caravane à maison, mais sans plus. Donc voilà, une petite entrée en matière, hein, et donc quelques minutes qui viennent de se passer déjà, et on a déjà le budget qui est clairement passé dans le bon côté de la chose. On a un souci de contrôle net, donc on va construire une usine de contrôle net, comme je l'avais dit. Alors ce sont des espèces de bureaux, hein, donc c'est vraiment quelque chose de qui peut se placer un peu n'importe où, ça génère pas de la pollution. Et du coup ça va permettre, une fois que l'usine sera en fonctionnement, vous verrez que vous allez avoir des employés de différentes classes qui vont venir s'y installer. D'alimenter vos bâtiments qui ont besoin de contrôle net pour fonctionner. Voilà, on va se laisser là. Donc pour cet épisode, on verra comment va évoluer notre ville dans le prochain épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut à tous.